Bonjour, je soutiens la candidature de Françoise Tenenbaum sur le canton de Dijon 6 pour les élections prochaines de mars, du 20 et 27 mars. Alors Françoise Tenenbaum, maintenant je la connais depuis de nombreuses années. Françoise Tenenbaum, ce que je peux en dire, c'est que c'est quelqu'un qui est volontaire, qui connaît ses dossiers. Sa grande qualité, c'est le travail. Elle est toujours au travail. Je la connais un petit peu, notamment puisque je suis président du CHS de la Chartreuse et qu'elle a de grandes responsabilités régionales dans le domaine de la santé. Et nous siégeons ensemble à différents endroits. Toujours, toujours, dans tous les cas, elle se préoccupe des plus démunis. Elle a toujours le souci de la justice sociale. Françoise Tenenbaum, c'est quelqu'un qui fait l'unanimité dans son camp, qui doit gagner En Marche ce prochain. Françoise Tenenbaum a une grande responsabilité. Moi-même, je n'ai pas le droit de perdre les élections, pas plus que tous les sortants du groupe de progrès. Mais Françoise Tenenbaum, elle doit gagner. Et probablement de son élection, et d'autres bien évidemment, dans tout le département, dépendra le sort du Conseil général. Car nous pouvons gagner ce Conseil général. Donc Françoise Tenenbaum doit gagner son canton pour faire la majorité. C'est important, je comprends tout à fait les choix qu'elle a faits. Ils sont extrêmement courageux, parce qu'il faudra qu'elle abandonne un mandat. Mener une campagne électorale, ce n'est pas facile. C'est la raison pour laquelle je vous demande de la soutenir sans retenue, avec déterminisme. Voilà. Alors, au-delà de cet impératif politique, moi, je veux dire aux uns ou aux autres toute la sympathie et l'admiration que j'ai pour Françoise. Et encore une fois, sans hésitation, allez voter pour Françoise en mars prochain.